donc on tourne ça le 17 décembre, donc c'est Noël, donc c'est vrai qu'il y a les guirlandes, le bonnet, la deuxième guirlande. Donc aujourd'hui on va présenter une réplique qui n'est pas commune sur les terrains, donc c'est la RX160, donc produit sous licence Beretta par SCT. Donc SCT c'est une marque qui n'est pas trop connue, qui n'est pas trop diffusée. Elle est, semblerait-il, liée à Ares, c'est la marque un peu cheap d'Ares, puisqu'ils ont fait le Tavor, le Tavor cheap, entre guillemets, et Ares a fait le Tavor de luxe. Sous licence Beretta, donc il y a tous les marquages. Donc les marquages RX160, voilà, 5,56 au temps. Donc c'est une arme pour le coup, on va faire un petit point sur l'arme, pas sur la rep. Donc elle est super récente, elle date des années 2000, c'est le projet italien de renouvellement de l'armée, un peu comme on l'a vu en Allemagne. Elle est entièrement ambidextre, pour commencer, ça c'est génial. Surtout qu'on est gaucher comme moi. On tire ici, un deuxième ici. Pareil pour l'éjection de chargeur. Ah, ici, ici. Alors, et un troisième, ici. Ça par contre... en vrai, ça doit servir à quelque chose, mais je suis incapable de vous dire. On a un rail sur tout le upper et deux rails courts sur les côtés. Et un petit rail pour mettre une poignée ou une lance sur le truc. Normalement, c'est pour mettre le lance-grenade, le GL-160, mais il n'est pas encore sorti. Là, c'est la version avec le canon long, 14 pouces de tête, si je me souviens bien. Il y a une version courte, CQB, avec 10 pouces. Donc on peut acheter un canon à côté, on se perd. Pas testé. Bon, la crosse évidemment, hein, c'est dans position classique. Blowback, donc pareil, le bolt catch est actif, donc c'est pratique pour régler le hop-up. Ça évite d'avoir à maintenir comme ça pour régler. C'est des flip-up pour la visée mécanique. Il y a 6 positions, oui, non, 5 positions pour l'œilleton. Donc le 6 qui est le plus petit, donc pour le tir lointain entre guillemets. Mais le guidon, lui, est réglable en hausse. Sinon, donc la crosse est repliable. Et là, c'est quoi, le truc qui est pas mal, ça fait plus que le changement de ressort QD. Donc là, on peut voir le changement de ressort rapide. Donc on arrive là, un quart de tour ici. D'origine, elle tape à 360 fps. Moi, j'ai changé le ressort pour qu'elle tape à 330, donc j'ai mis un M110. Il n'y a pas de métal, donc c'est de la fibre... Je crois que c'est de la fibre de nylon. L'original, c'est plus fibre de carbone, je crois. D'origine, le canon d'origine, c'est un canon de 510 mm en 6,03. Autre truc sympa sur cette réplique, le changement de canon rapide. Voilà. Hop, en 30 secondes, on peut démonter le canon. Avoir accès au bloc hop-up. Par contre, le problème, c'est que le bloc hop-up, c'est un bloc propriétaire, comme le nozzle, donc si on le casse, pour les pièces détachées, c'est pas l'idéal. Et après, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. On en fera d'autres prochainement. Au programme, je sais pas ce qu'on va faire. On fera peut-être un 1911. On fera peut-être une 417. Peut-être une Hog A3. Si le caméraman accepte de. Quand je l'aurai reçu déjà. Hog, parfois déjà qu'il la reçoive. Ouais, déjà. Ouais. Vous la verrez peut-être sur la vidéo de la partie de aujourd'hui, si vous avez de la chance. Putain la vache, j'en pleurerai de joie. Oui, on fera peut-être un P90. Si les gus. L'association accepte. Et une type M4 aussi, mais une type M4 mais qui vient de Tchernobyl, c'est-à-dire qu'elle est un peu bizarre. Oui, aussi, elle a chopé des taches et tout quoi. Et les champignons t'ont poussé quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, c'est tout, je vous dis à la prochaine et puis on verra.